Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah, ce soir, on fait du snowrunner. Si vous voulez venir conduire avec nous, n'hésitez pas. Je suis désolé, j'ai commencé plus tard, mais mon volant n'était reconnu qu'à moitié. C'était trop bizarre. J'avais les flèches qui fonctionnaient, mais A, X, Y, B ne fonctionnaient pas. Du coup, c'était pas un peu chiant pour sélectionner. Puis le volant, de toute façon, ne tournait pas. C'était un peu la merde. Donc voilà, bon, c'est corrigé. Où il est. Normalement, il y a Tricot qui va arriver. L'attente. Bon, de toute façon, il va arriver. Pour parler avec lui, on va regarder ce qu'on a à faire. Puis voilà, ça va être bien. Alors. Donc, on est parti pour une petite moyenne de 2 heures de snowrunner. Alors, on a quoi de beau à faire? Hop, Tricot, si jamais t'es dans le live, n'hésite pas à venir en vocal. Les autres, si vous voulez venir rouler avec nous, pareil, vous pouvez venir en vocal. Pour l'instant, on a 2 places de libre. Alors faut aller repérer les épaves. Le détecteur de métal est recommandé. Ok. On va s'équiper de ça. Ça va être bien. Hop, custo. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Détecteur de métal. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je me souviens plus. Où est-ce que je le trouve ce détecteur de métal? On va changer. On va reprendre la même vieille citerne. Salut Tricot, viens en vocal. Enfin, si tu peux, bien sûr. Peux-tu? À moins que tu te sois remis dans des endroits obscurs. En attendant, je vais te mettre le code. Hop. Comment ça, crossplay désactivé? Oh! Ah merde, c'était où déjà? Ah, c'est bon, jouer à Tricot. On va récupérer Tricot. Yo, ça va?
Hop, attends, putain, pourquoi crossplay désactivé? C'est quoi cette connerie? T'es sur quoi déjà? Hein? Ordi, il me semble. Ouais, moi, ouais. Tu payes pas d'abonnement? Non. Pourquoi? Multi. Non, parce que moi j'en ai un d'abonnement, c'est pour ça. T'as un abonnement pour Ouais, SnowRunner? sur Play, bah c'est l'abonnement de Play. Ah oui, le. Ouais. Excuse-moi, ouais. Le PS truc là, je sais plus comment ça s'appelle. PS Plus. Ouais, c'est ça. Truc qui coûte cher, quoi. Ah ouais, ça coûte combien? 72 balles à l'année. Ah ouais, Pour être tranquille. à Moi, ça te l'année. fait 6 euros par mois. Ouais, Parce c'est que ça. si je prends par mois, là, j'ai pour 8 balles à chaque fois. D'accord, putain, ouais, ils sont pas chiés les Je mecs. préfère plus économiser pour l'année que payer par mois H24. Oui, c'est clair. Déjà que j'ai l'abonnement Prime, si seulement je pouvais le prendre à l'année, j'aurais été aussi tranquille. T'as pas rejoint la partie là encore, hein? Non, j'ai pas de code. Attends. Attends, je Ah comprends bon, pas. juste c'est relancé en entier, bah d'accord. Je fais un truc qui merde là. Bon, ça doit s'entendre, je suis un peu fatigué. Demain, c'est ma dernière journée de travail. Cool. Après, vive les vacances. Bah j'ai encore 3 semaines. Oh, ça va. Dans pas longtemps. Bon, ça va, je me plains pas, j'ai beaucoup de vacances par rapport à la plupart des gens. J'ai 9 Ouais, moi semaines j'en ai par an, plus que c'est toi. assez rare. Oui, mais moi je travaille J'ai quoi. eu deux semaines. Moi j'ai 9 Neuf semaines quoi. semaines. Donc. Il a plus que moi une année de cours. Ah bah tu vois, donc ouais, j'en ai même plus que toi. Pardon. Une semaine. Bah, j'ai toute la moitié des vacances scolaires. Waouh. Bah, mon boulot ferme donc. Putain. Neuf. Waouh. Mais vas-y, mais au secours, j'en ai marre, sérieux. C'est quoi le code? Ah, Ça me j'ai suis envie pas de noté. crever. Hein. Il est Attends. où? Déjà, je vais regarder pourquoi il n'y a pas de crossplay. Parce que. Mode crossplay. On relance. Ouais, bah oui, c'est ce que j'ai fait. Ouais, moi, je vais chercher mon camion que j'ai laissé sur l'autre map. Est-ce que ça marche direct ou faut que je relance le jeu? Maintenant que Quand j'active. tu fais J'active. lancer, Je bah, crois que. relancer coop. Ouais, mais non, je l'ai déjà eu ce truc là. Faut relancer le jeu quand t'actives le crossplay pour qu'il le prenne en compte. Ah, le crossplay, bah, tu vas dans tes paramètres. Ouais, bah oui, non, mais c'est ce que j'ai fait. Mais pour que ça s'active, faut le valider Bon, puis bah, on relancer le relance. jeu. Que ça devrait pas couper ton live, il me semble. Non! Ouais, parce que moi sur Play, je te jure, quand j'ai un problème de crossplay, je suis obligé de tout relancer. Ah ouais? Bah Ah ouais, ouais, j'ai eu parce qu'en gros, des sur problèmes de Play. volant, moi. C'est pour ça que j'ai lancé plus tard. Le volant était pas reconnu correctement avec le jeu. D'accord. J'avais Bah, je te toute dis, la j'étais partie un peu droite qui longtemps. marchait, mais pas les boutons. C'était nul. Connasse de briques. C'est bon. Par contre, je reste pas longtemps. De quoi ce soir? Ouais. Bon bah, moi, Bah, 23h. demain, je commence tôt, donc. 23h. Je m'en Pourrait vais. peut-être tenir jusqu'à minuit, grand max, ouais. Maximum minuit. Après ça, je pars plus, on sait instant. Il n'y a pas de j'écoute de musique entre deux, c'est tu dors. Je vérifie qu'il me l'a gardé. Ouais, c'est bon. Hop, allez. Maintenant. Oh, attends. Je te jure. Non, je crois que mon camion il est dehors. Ouais, c'est ça.
Alors, voilà. Je vais aller à l'aéroport. Ah oui, Hop. faut peut-être que je te file le code, sinon ça va marcher moins bien. Ah, ça a marché de ton côté, putain. Le temps que tu relances ton jeu et tout, moi je suis encore dans le chargement. Ah ouais, c'est. Ah, c'est J'ai un vrai. PC de guerre. Ah, 6 je t'en de. Ah rappelle bah non, beaucoup. du coup, tu me diras quand t'es dans le jeu. Attends, tech. Non, mais en fait, là j'étais dans le chargement pour aller récupérer un de mes camions. Ah. Ouais, là je l'ai récupéré, là c'est bon, je suis reparti. D'accord, bah tu me dis quand tu veux le code. Merde. Ok, reste plus que toi, plus que quoi en termes de mission sur Péninsule. Pas mal de merde encore. Ouais, je vais faire à deux vu que je suis fatigué. Là, bah faut que je trouve les épaves là. C'est quoi? Ok, bah, je vais m'amuser avec toi. C'est quoi le code? Je vais l'écrire au clavier. Attends, Vas-y, le code. bouge pas. Le code c'est Attends, attention. 6 Yep. W Yep. 67 Yep. C. C'est. Ouais. Se connecter, voilà, il a accepté, il a fait oui, vous pouvez rentrer dans la game. Et je suis content. Ah là là, là, ce mois-ci, il y a deux autres maps qui vont sortir pour la nouvelle région. Ah ouais? Ouais, là, ça va faire une trois maps, il me semble. Ça fait longtemps en plus qu'ils n'en avaient pas sorti les trois maps. Mais bon, vu que j'avais déjà fini la première map à 100%, je me demande combien de pourcents ça va me retirer sur les deux prochaines. Ouais. Peut-être 50. Attends, parce qu'en fait, tous les pourcentages que je perds, je les récupère instant. C'est comme si la map, elle n'existait pas. Par contre, je crois que plus tard je vais faire un truc. Je vais relancer une game, je vais speedrun à chaque fois et je vais voir en combien de temps je fais les maps et combien de pourcentage ça prend. Mais bon, déjà, il faudrait déjà que le jeu soit un peu terminé. J'attends que toutes les maps soient sorties. Même si je me doute fortement qu'il y aura un pass des 5 ans. Oh putain, je suis fatigué, sa mère. Oh demain, oh j'ai du tri à faire. Oh je vais kiffer à trier le bois, putain. Et en plus, je dois faire ça en 1 h 30. Ah ouais. Mais Salut je Sulfate, comment tu t'assure vas? que là. Ils sont tous mis. Alors, t'es parti où? Si tu veux venir jouer, n'hésite pas, il nous reste de place. Là, je vais à l'aéroport. Tu vas à l'aéroport pour aller chercher. Bon, il me dit d'aller Pourquoi tu chercher. vas à l'aéroport? Bah, je sais pas, il me dit d'aller à l'aéroport. Oui, t'es posé à l'aéroport. Mais regarde où elles sont les épaves. Ouais, non, mais Elles sont affichées sur la carte. les épaves, ouais, mais je sais pas, le premier truc qu'il me dit, c'est l'aéroport. Ah bon? Ouais, Il va à l'aéroport, je j'ai crois pas qu'il. de. Je sais même pas ce qu'il faut que je livre à l'aéroport, il me parle d'un détecteur de métal, mais je sais pas où il est. Ah non, le détecteur métal, il t'avait déjà récupéré. Attends, retourne au garage, je vais t'expliquer. Qui c'est à moi? Ouais. Ouais, il y a que toi.
En gros, le détecteur de métal, ça permettait de découvrir justement les épaves. Et maintenant, il faut qu'on ramène les épaves qui sont tout là-bas sur la map à l'aéroport. Et le détecteur de métal, en fait, il avait déjà Ah mais des c'est oui, générateurs. c'est pour ça que j'avais la grue. Putain, je me souvenais plus. OK. Ouais, parce que fallait une grue pour les charger, je pense. Oui. Et puis une remorque, je sais plus quoi là. Attends, on va changer ça. Putain, j'ai oublié de changer mes pneus. Oh, ça va drift. C'est sûr qu'avec des pneus beaux, ça va pas tenir la route. Ouais, c'est pour ça que j'avais pris une grue l'autre fois, je me souviens plus. T'avais pris quoi comme grue? Une grande grue avec une benne ou sans rien? Non, la grosse grue, ouais, avec sans rien. Prends une petite grue avec une benne. Bah, Parce que j'ai pas t'inquiète pas, les. t'auras pas besoin d'une grosse grue. Les gars avec qui on était l'autre fois m'avaient dit de prendre une remorque pour charger les deux. Ah! Allez. Bon, on va comme ça. La petite grue bleue suffit? Ah bah attends. Bon, ça suffit largement. Vraiment, ils sont pas lourds. La grosse grue, ce sera plus pour les épaves d'avion. De toute façon, je vois que c'est les deux dernières quêtes, après on change de map. Oui. Putain, j'ai pas regardé devant moi. Grue, non, c'est pas celle-là. Là, par contre, pour te dire, la dernière fois, quand il y avait dragon et tout, j'ai fini toute ta première map. Ah ouais? Ouais. En tout, là, on est à combien? On est à 85%. Si t'aurais fait que les quêtes principales, tu serais arrivé à 55 ou 60 grand max. J'ai fait toutes les quêtes secondaires de l'autre côté. Ouais, hop, on met tout ça là-dessus. J'ai pris une benne. Ah, tu verras, ils sont tous légers. Ah ouais, non, mais c'est pas le poids qui m'inquiétait, c'était. C'est surtout le poids de l'avion qu'il faudra t'inquiéter après. C'était surtout la taille. Non, la taille c'est deux emplacements. C'est une benne classique quand même. Ouais, bah ouais. Salut Mathieu, comment tu vas? Tout le monde ce soir. Carrément. C'est rare. N'hésite pas si tu veux venir rouler avec nous sur le Fat. Viens rouler, viens rouler. Il y a le T'inquiète. Discord, il Aura y a pas de le problème. tricot. La bibi. Il y a tout ce qu'il faut. T'es encore parti du mauvais côté. Hein. C'est de l'autre côté qu'il faut aller, monsieur. Toi, tu vas à l'aéroport. Les épaves, ils sont pas là-bas. Allez, c'est les épaves qu'il faut livrer à l'aéroport. Oh merde. En gros, il faut qu'on aille chercher les épaves, qu'on les mette sur nos remorques, et ensuite, il faut aller à l'aéroport. D'accord. Oh, parce que je devais partir, j'étais en mode. Attends, il Attends. est passé où lui? Attends, sont où les épaves déjà? Je sais plus. Elles sont tout en haut. Ah Tu ouais, vois le sont... garage? ouais, non mais ouais, elles sont en haut en fait. Je les cherchais en bas tout à l'heure. Je pouvais toujours galérer. Ok. Bon, en bas, on avait tout fait. En bas, en fait, c'est l'épave de l'avion qui rentre. On va se marrer. Allez. Il arrête le moteur au moins. Attends, moteur. Allez, demi-tour, mon cher ami. Ouais, attends, je fais un marquage sur la map. T'inquiète, le marquage, c'est bon. Ah bah, dans ce cas-là. De toute façon, on prend la même route, on est obligé. Eh ben, faut le sortir de Si je la trouve une boue, touriste. Bon, avec un réseau, ça devrait pas être galère. non, c'est le demi-tour qui est galère. Hop. Ah ouais, ils ont fait pas mal de quêtes secondaires en vrai. Ah, ils ont bien charbonné là-dedans. Ah, ils ont bien bûché les gars. Et vous en avez fait plein des Moi j'en quêtes fais. du coup, je savais pas qui exactement faisait quoi. Ah, bon, moi dans tous les cas, tu pouvais pas savoir, j'étais à la cove. J'étais de côté. En plus, à la cove, il manque quoi? Juste une quête? Ouais, il en reste plus qu'une seule.
Et après j'avais tout fini. Oh, l'autre côté, ouais. En plus, il y en avait là plein de petites quêtes que t'avais laissées. Ouais, mais les petites quêtes, en général, je les fais pas trop. Ouais. Tu verras dans les prochaines maps, elles sont très importantes. Ah ouais? Ouais, parce que les petites quêtes, des fois, peuvent te permettre de débloquer soit des raccourcis, soit des entrepôts avec plein de ressources dedans. D'accord. Ouais, parce que maintenant... au début, je disais la même chose, mais bon. Quand je faisais certaines quêtes secondaires, je voyais plein d'entrepôts être débloqués. J'étais en mode, genre, il y avait ça. Oh putain, il y a ma manette qui bug. Je faisais un petit. En fait, il m'a réinitialisé tous mes paramètres à zéro, quoi. Du coup, j'avais le moteur qui gueulait, la musique à fond. Oh putain. Attends, putain, mon téléphone. Voilà, pour éteindre la partie de sa batterie. J'ai un peu plus de bailli aujourd'hui, mais c'est une dinguerie. Ah, bientôt les vacances. Ah ouais? Ouais, bientôt les vacances, j'ai plutôt charbonné. Hein. Ah merde, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, il y a eu une couille dans le pâté. Enfin, t'es pas obligé d'en parler là, hein, c'est en public, sinon tu me raconteras ça à l'IME si c'est perso. Sinon, tu racontes pas du tout. Au moins, t'es tranquille. C'est un gamin de mon boulot. Ouais. Ah. Tu lui parleras dans la vraie vie. Voilà. En cachette. Tu lui donneras une bonne friandise. Prends des bonbons, je trouve, c'est le meilleur. Parce que tout le monde adore. Oh, vas-y, ça fait trop kidnappeur d'enfance. C'est clair. Tu lui donneras une bonne friandise. T'es pas fréquentable, toi. T'as une camionnette blanche, là? Non, j'ai un vélo, c'est tout. Ouais, on va s'arrêter pour la station, s'il te plaît. Ouais, je t'en prie. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de merde, ça a l'air. C'est un chemin de merde. Ouais. Tout simplement. Y'a pas d'autre terre. Bon, je vais t'attendre parce que je pense que tu vas fumer. Ah, d'accord. Ah oui. Alors, il se peut que t'as un rocher en dessous de ton camion. Ouais, ce que j'étais en train de me dire en fait. Y'a un truc chelou là. Putain, j'aurais dû mettre plusieurs vitesses pour la marche arrière hein, parce que j'ai l'impression d'être là. Voilà, côté une marche arrière. Ah, je veux bien, mais. T'es pas censé faire les 24 heures du Mans en marche arrière. Hein. Bon, y'en a, ils sont capables. Bon, j'arrive. Putain, il s'est mangé l'autre rocher. Je fais le tour des cailloux. Des embrouilles, tu vas voir. Non, je suis pas sur le côté. Ah, c'est ta grue là, elle est buggée pour moi. Comment ça, je peux pas te choper? Eh, mon moteur il s'est éteint. What the fuck? C'est pas normal. Enfin, bon, il aime les arbres, donc c'est. Merde. Ah, lâche pas. Monsieur, faut pas lâcher prise. Ah, j'avais pas vu que c'était toi que j'avais accroché, enfin qu'on était accroché ensemble, je pensais que j'avais rechopé l'arbre.
coup, je me suis débotanisé. Putain, tu vas vite. Hein. Ah ouais. Ah bah quand je m'embourbe pas, j'ai un moteur. Ouais, c'est hésité à jouer parce que là, franchement, j'ai vu que t'as roulé sur ta grue carrément. Ah ouais. Ta grue est passée sous les pneus. Ah, c'est. Elle est bonne la PlayStation. Hein. Il y avait le problème du multi, avant il y avait le problème de l'essence, maintenant c'est le problème de la grue. Salut Gagnès. Avoir terre au feu, c'est pas possible. Comment tu vas? Toi, tu vas chercher l'épave qui est dans un fossé ou tu vas chercher l'épave qui est en haut? Peu importe, tu me dis. J'irai chercher celui dans le fossé parce que c'est plus cher à tarma. Putain, on va se barrer avec l'avion. Maman, l'avion a ramené. Ouais, après, moi j'ai pas spécialement de bug avec ma grue. Ouais, toi ta grue elle est normale de ton côté, pour moi elle passe sous tes roues. Dans ouais. Mon point de vue. Alors celui qui est dans le fossé, c'est lequel? C'est celui tout en haut ou celui du bout? Celui du bas. D'accord. De toute façon, ça se voit qu'il est dans un fossé vu que tous les rochers qu'il y a autour. On te fait gaffe avec celui d'en haut parce que t'auras une partie un peu rocheuse. Ça fait longtemps que je suis pas coincé. Non, tu déconnes, tu t'es pas mis dans la classe. Non, je déconne. Mais ça va. Je dis ça, mais je suis à peine retourné à ma cam, j'ai dû s'enfoncer d'un coup. Attention, attention la traversée, oh, quel professionnel. Ouais, j'ai mon permis hein. On dirait pas. Il y en a, ils l'ont pas. Hein. Oh là, c'est la... Alors, n'hésitez pas s'il y a quelqu'un qui veut venir jouer avec nous, hein. Il y a le Discord, il y a le code, je vous file tout ce qu'il faut. Non, il peut pas être observateur. En même temps... Il regarde un beau gameplay, c'est l'arbre. Bon, dommage, c'est pas le mien, mais il est beau quand même. Ah, je joue en bonne qualité au volant, c'est plaisant quand même. On parle à ma qualité de merde. Oh, j'ai une PS4, alors la qualité elle pue. Donc, je vais refaire un plan. Là. Oh, même la 5, je suis pas sûr que ce soit ouf quand même. Oh, si la 5 a une grosse différence. J'ai l'impression d'avoir une tour. Je sais pas, moi je sais que avant mon ancien PC il faisait 4 fois la puissance de la PS4. Alors du coup, j'ai des grosses perplexitudes. Ici c'est vraiment un chemin de merde. Ouais, c'est... je te regarde en chier et c'est très plaisant. Ça me vend du rêve, j'aime bien. Je me dis, le mec il conduit comme un dieu, peut-être qu'un jour. Moi aussi, je serai un homme. Je conduis pas mal, tu conduis avec une manette, ouais. C'est pas un volant qui donne dans les mains. Oh, volant du futur, ce sera plus des manettes. Hein. Putain. Je suis pas sûr, hein, parce que ça fait des années qu'ils essayent de faire un truc un peu comme ça dans certaines bagnoles, ça marche jamais bien loin. Hein. T'inquiète, okay, la voiture de course, c'est une manette. Je sais plus, j'avais vu ça aux États-Unis, un mec, je crois qu'il était handicapé, il avait une manette de PlayStation pour construire sa bagnole, conduire sa bagnole. Mais bon, je pense. Alors non, tu dois pas passer par là où je passe.
Tu dois monter. Ouais, ce que j'étais en train de me dire, faut que j'arrête de le suivre le mec là. Ouais, Là, c'est faut que je trouve ça, ma route. ouais. Moi, c'est là que je devais tourner. Ouais, je sais plus où il est le chemin, ça fait trop longtemps que je suis pas revenu. Oh putain, bah si ça, je m'en rappelle. Il faut écraser tous les petits arbres en fait, c'est ça la route. Toujours. Ouais, je vais sur tous les chemins de mon pays. Alors, si je Ouais, par me contre, là, des maps, pilonne. t'as des maps Non, où là. t'es obligé de passer dans la nature, mais vraiment, la nature, c'est un chemin, quoi. Ah, la nature, c'est fantastique, hein. C'est pas, non, je dois tourner ça après. Oh, en plus, c'est une rivière gelée, tabernacle. Oh putain, j'ai pris les pneus chaînes, sinon j'aurais jamais réussi. Putain, c'est trop tour de l'avion. Bon, le bon point c'est que je suis arrivé. Le mauvais c'est qu'il va falloir faire un demi-tour pour repartir. Sinon tu fais en full marche arrière. C'est la même chose que marche avant, en plus lent. Ouais, bah écoute, on va essayer de se vendre nos du rêve. Hein. Putain, Nanana, j'ai oublié que activement. ces voitures elles avaient des toiles sur le dos. Pourquoi nos camions ils ont pas de droit à des toiles? Moi aussi je veux un gros calibre. Moi je veux que mon camion ça devienne un tank. C'est énorme ça. J'avais jamais utilisé la fonction, c'est trop drôle. Oh, en espérant qu'un jour ils mettront des chenilles dans ces putains de véhicules. Le jour où il y aura vraiment une chenille sur un camion. C'est la chenille qui Increvable le truc. redémarre en avant les voyages. Chenille part toujours à l'heure. Mets tes deux Putain. pieds en canard. C'est la chenille qui redémarre. Nous, c'est tout le temps la chanson à la queue leu-leu, c'est tout. Non, Crache le loup. je suis foutu tout seul dans la tête là. Il se l'a imprimé, c'est une imprimante dans ton cerveau. C'est ça. Alors. Attends, moi je veux faire venir d'avant en arrière. Baisser. Oh là là. Bon après Qu'est-ce que t'as fait? on s'en fout, hein. Bon, elle est presque bien mise. Hein. Alors. Ce que je voudrais, c'est une vue de côté. Ok, ouais, je vais chercher le chien. Oh là là, quand je vois toutes les traces de pneus dans la neige, je me dis putain. On a eu des demi-tours. Voilà. Ok. Ah mais me remets pas de derrière putain, on voit rien connard, ça m'énerve. Ah oh, qu'il est débile ce truc. Je suis coincé dans un arbre, c'est quoi la dinguerie là? Putain, mais j'ai un braquage de merde aussi. Je peux pas braquer à mort là. Ouais, je dois pas être mal là. Je braque à mort, il a un angle, il Oh, pue. c'est bien, nickel. Hop, elle numéro le travail. Voilà, elle est dans la boîte. Putain, maintenant c'est le pneu qui vient. Ah, initialiser la grue. Voilà. 3 KTP, pas bon. Oh là, je vais truc comme un zinzin. Je vais péter l'arbre. Putain, dans la vraie vie, l'arbre il tient pas là, l'arbre il est écrasé. Oh, putain, c'est vrai, j'avais mis le frein à main.
Qu'à cause d'un arbre. Ah, mais il y a trop d'arbres dans ces forêts. C'est inadmissible. Ah, mais là, l'arbre, il est entre mon pneu et ma grue. Ah. C'est un enfer quand les deux sont vraiment côte à côte. Là, je vais essayer de faire demi-tour. Ah, ouais. Ça y est, j'ai réussi à atteindre le bas. Ok. Oh merde. Allez, un, allez, deux. Vas-y. On va y arriver. On se rejoint à l'aéroport? Ouais, non, je vais rester près de toi pour t'aider. Parce que je sens que le chemin de terre, tu vas un peu en chier. La confiance règne. Ah, c'est pas la confiance, j'ai confiance en toi, juste tu vas galérer. Je vais préparer mon prochain camion. Attends, ah, voilà, si t'es en plein milieu, quoi. Casse-toi si t'es un sujet. Ça va fouger dans le lac tout là-bas. Tu me dis dès que t'as réussi à sortir de la forêt. Ah ouais, j'y suis. Hop, derrière toi. Ah non, t'es pas dans ton camion là. Ouais, non. Je prépare les prochains plans. Ok, c'est parti. Je n'en profiterai pas pour faire un petit plan. Bah vas-y. C'est vraiment un chemin de merde, hein. Vraiment, tu mets, je fais la taille du pont. Mais... C'est le chemin qui est merdique ou c'est le camion qui est trop gros parce que... C'est bien, il est trop gros. Il est imposant. Moi j'aime bien ce jeu parce qu'avec les camions ça donne l'occasion à plein de gens de gérer tous leurs petits complexes. C'est passé à l'aller, ça passe par toi. Putain, bien sûr, il fallait que mon camion commence à galérer à monter un putain de rocher. Putain, c'est le plus gros des défauts. Quoi. Oh putain. Oh non. Oh, mais tellement pas. Dis-moi que je vais pas rester coincé. Vu, il y a des chances. Je te regardais au fond, j'ai pas fait gaffe où je posais mes pneus. Quelle idée aussi de te regarder. Parce que je suis trop beau, c'est pour ça. Mais non, mais ça doit être ça, hein. C'est... Trop sexy. C'est ça, t'as un pare-choc, mon gars. Est-ce que tu veux y aller dans les black bouffes, hein, on peut. Je suis tellement fatigué avec les black bouffes, ça me fait plus rien. J'en fais la blinde.
Allez, en avant Guingamp. Eh oui, je voulais éviter le merdier de tout à l'heure et puis j'ai un peu trop braqué. Ah, c'est ok parce que j'avais des jours de backup, tu prends 9 stacks. Oula, où est-ce que tu veux? Ah ouais, je pense qu'à trop vouloir éviter la difficulté, on se fout dans la merde. Des fois, le road, c'est pas la meilleure des options. J'ai un problème à poser mon pied sur le bureau, c'est une dinguerie. Bon bah allez, on se prend à l'aéroport en fin de compte. Vais-je y arriver? Ouais, tu vas y arriver. Putain, mais pourquoi il me prend que l'arbre couché, connard de treuil débile. Ah. Je suis très con, voilà. Comme ça. Il y a un arbre couché. Non, non, il m'approche l'arbre couché, quoi. Comment veux-tu qu'on y arrive avec des gars comme ça, hein? Bah, le treuil, il... Prendre des intérimaires, hein, au moins, eux, ils en veulent. Hein. Oh merde! C'est con qu'ils mettent pas un petit viseur quand déjà tu pointes un objet et tu cliques sur le mettre ton treuil et hop, ça treuille justement sur le. C'est ça, ouais, c'est bon. Ça manque. Genre, tu peux regarder le cul de ton camion, il va treuille ce qu'il y a devant. Merci Clourouillet pour ton follow! Ah non, mais juste j'ai envie de crever ta gueule, la boîte mail. J'ai perdu le focus avec le jeu. Alors. Attends, y'a pas un raccourci là en faisant ça. Ouais, si je fais ça, ça va risquer péril en fait. Pourquoi je peux pas sélectionner. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Nique ta mère, hein. Pourquoi je peux pas sélectionner mon treuil là? C'est quoi ce merdier? Ils s'en bat les couilles du Madgouille. Je peux pas sélectionner mes points de treuillage, mais c'est quoi ce bordel? Ah, oh, puis là je suis dans le yaourt. Besoin de tête. Si le jeu fonctionnait correctement, non, mais putain, ça pue la merde, ça m'énerve. Ok, t'inquiète, la prochaine elle est beaucoup mieux. Non, mais en fait, quand je vais pour activer le treuil et activer mes points d'endroit où je veux me treuiller, je peux pas. Même les points sur le camion, je peux pas les sélectionner. Bizarre. Par un jeu codé avec le cul, voilà. Bah, carrément, bah, hésite pas si tu veux venir rouler avec nous pour rouiller. C'est open. Il y aura plus un tournée.
Ouais, en plus, mais bon, ça après. Après, on tape les quêtes principales, il en reste plus que deux et après on change. Ouais. Ça te fera du bien de la terre. Ah oui. Ah oui. De la terre. La bonne terre, comme je connais si bien. C'est un film. C'est un sketch quand même. Oh putain, je me fatigue de mais. Je suis tellement Putain, enterré j'ai que espoir. quand je fais une. Quand je veux changer de point de treuillage. Je redescends Ah ça. tellement vite, en fait, j'ai pas le temps de me retrouver à autre chose. C'était mieux pour en marche arrière. Oh non, mais c'est l'enfer, putain, ça met. T'es loin là? Ouais, très loin. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Mais pourquoi il se refoue à cet arbre-là à chaque fois? Putain, ça me refoue. Putain. J'ai une milliseconde pour pouvoir changer de prise et ce connard, il prend pas le bon arbre. Putain. C'est relou. Au secours, les gens, venez nous aider! Moi, j'arrive. Ouais, Attends-moi. mais chut, dis rien, comme ça les gens ils vont venir nous aider, ils vont se dire oh le pauvre trio. Et si on allait lui mettre une grande tarte dans son cul pour le faire avancer? Ça y est, je deviens cinglé. Ce jeu me rend fou. Voilà. Ça c'est dit. Bon, j'entends un moteur. Je vois un camion. Est-ce que les deux sont liés? Je ne sais guère. Bon, ça y est, moi j'ai vrillé, je crois. La fatigue. Je Simplement. suis passé dans un autre monde. Ah, je vois un mec là, il a un gros camion. Attendez. N'hésitez pas, les gens, si vous voulez le code et le Discord. Braquage de merde. Oui. Oh putain, on était bien enfoncé. Ben oui, pour ça j'arrivais pas à sortir.
Allez, pour tricot, hip hip hip. Ouah. Ouah. Bon, le mieux c'est qu'on aille jusqu'à l'aéroport comme ça, hein. Je reste en première lente, on est sûr de passer. C'est peur. Le chemin se sépare. Pourquoi tu fais ça? Oh, on est là. Okay. Moi, je prépare la prochaine mission. T'as déjà livré à l'aéroport là ton bout de machin? Pas encore. Il est sur la route. Oh putain, il me saoule ce truc. C'est hyper chiant de tracer les itinéraires. Des fois ça saute, ça te fait des points aléatoires sur la map. Alors, déjà on va aller jusque là-bas. Ah, on va tracer jusqu'à l'aéroport. Au rythme où je vais. Bon, tu devrais croiser dans d'autres camions. Ah oui, je le vois. La mission de l'avion est pire. Oui. Elle est longue. Elle est horrible. Mais bon, j'ai une astuce pour simplifier tout ça. Il y a une technique. Il faut pas un plus petit camion. Un plus petit camion? Parce qu'il faut passer dans une forêt. En gros, la mission de l'avion de base est obligée de faire tout le grand tour. Sauf qu'il y a une autre strate. Tu coupes au tu milieu. prends le lieu. Non, au milieu ça sert à rien. Tu le treuilles et tu le tires. Et en fait, il va passer à travers les arbres. Parce qu'il est pas en mode solide. Ah oui. Donc il passe à travers tout le décor. Et après, t'as à l'aéroport en deux entendu secondes. Les gens? Il veut cheater. Oh, c'est pas du cheat. Juste qu'ils ont connu ça avec le cul. Et ouais. Après, c'est comme les ressources. Hein. Quand tu prends une poutre en métal, tu passes à travers un arbre. La poutre en métal, elle passe à travers, pas le camion. Tant qu'elle est pas dans ta remorque. Comme des fois, ça arrive que quand tu retournes un camion sur un pont, les ressources passent à travers. À travers le pont, le camion. À travers le pont. Ah merde. Oh, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait tomber un conteneur surdimensionné. Ah oui, en plus, le sympa. C'était chiant pour le récupérer. Parce que quand je l'ai fait tomber, il est passé à travers le pont. Et quand je devais le ramener, il ne passait plus à travers le pont. L'horreur. J'avais tellement la flemme de refaire la route. En plus, l'objectif était juste à côté, quoi. Il y avait un seul pont à traverser, j'ai même pas réussi à le traverser. Ouais, bah moi dans le village je préfère leur faire les pelouses que me faire la boue. On trouve là la pelouse. On a tu crois trouvé. Que tu crois de l'herbe dans ce pays? J'ai trouvé.
Ah, il va y avoir une pelouse sous la neige après. Quand tu vois la boue, pour moi la terre elle est morte. Il y a personne qui veut rouler avec nous quoi. Ah comme non, tous là les jeudis. ouais On est tout le temps qu'à deux. À part quand je ramène du monde, là bizarrement il y a des gens qui veulent rejoindre. Bizarre, bizarre. ouais, ça la vie de routier, c'est une vie de solitude. Ouais, je l'ai bien vécu. Surtout à Mur. Allez, ça va y aller. Ok, déjà, j'ai déposé mon camion pour la prochaine mission. Ça, c'est une bonne chose. Ça, j'ai pas accès à mes camions. J'allais te dire. Tac. On a toutes les améliorations. 7 sur 10, là, non, on n'a pas tout. Ah oui, c'est l'endroit que je déteste. Okay. Enfin, je suis resté heureusement. Vas-y, tu vas y arriver. Je vais bientôt t'accrocher. Ah, c'est un enfer cet endroit. Ouais, et dire que le mien il passe sans aucun problème. Ouais, on n'a pas le même camion. Tu veux? Et surtout que lui. Il est très haut, c'est pour ça. Et vu qu'il est extrêmement lourd à la fois, il touche directement le fond. Ouais. Le tien, il est plus bas, il est au ras du sol. Dès qu'il touche le fond, bah, il reste bloqué.
Ce petit schéma. Ouais, bah ouais, mais j'ai pas encore débloqué. Il Pourquoi? sent la noisette. La suspension active. Ah ouais, bah ça sert dur. Ça va être le plus chiant à faire pour avoir ces améliorations. Attention, ça glisse. Merde. Attends. Faut faire comme moi. Et j'ai eu peine mal. Je suis un fou. J'ai mon chargement qui a fait un vol plané dans la remorque. J'avais oublié de le sangler. C'est bon. Ce petit chemin qui sent la noisette. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Pas du tout, je suis pas psychologue. Ah, il y a des jours comme ça, j'ai que des chansons à la con. Oh, c'est chiant, c'est que quand j'adore une nouvelle musique, elle reste en tête pendant trop longtemps. Ça bronze. Au moins, il y a certaines musiques, je veux plus les entendre. Il y en a une fois, je l'ai gardée 3 semaines. C'est long, 3 semaines. Ah, de fou. Allez, on est presque arrivé. Il reste plus grand chose. Oh tiens, il va avoir du mal à passer. Faut que je travaille un peu là. J'ai accouché un peu, hein? Ouais. Attends. Attends, attends. Il faut que tu tournes vers le petit rocher à côté. Pas le gros, le petit. Recule un peu. En fait, j'aurais pas dû passer là. Vais tenter l'autre chemin. Non, mais passer autour du caillou comme j'ai fait la dernière fois que je suis passé ici. Ah oui. Merde. Effectivement. Eh, mon camion ne me permet pas de tout faire non plus. Bon, il est très efficace. Putain, mon méchant enfoncé. Pas d'effort aussi. Oh. Voyons. Allez, on arrive au petit pont de la merde. On les appelait comme ça. Diable. C'est ça.
Je vais pouvoir passer un plein là, je rame le cul. Hop. Putain, il peut même pas monter. J'ai encore un caillou en dessous ou quoi? Non, c'est juste que c'est super raide. Enfer. En plus, c'est même pas le cul de mon camion qui t'a chopé. Mais, cassez quoi? Je vise toi. Mais connard. Attends, je vais niquer tous les arbres autour de moi. C'est bon. J'ai que ton camion. Parfait. Et mettre tous les petits arbres. Oui. Let's go. Ouais, ça t'a stoppé, mais t'as... Oh, oh merde. Oh non. Et tu... J'en peux plus de ces cailloux de merde. Non mais oh, faut me laisser faire. On est presque arrivé. Que tu fais du drift, du drift. Bon bah allez, go la dernière quête. Ça te marrant, la dernière mission. On a l'épave de l'avion. Semi-remorque à plateau large. C'est celle qui est à côté de moi. Il faut un attelage haut. Ouais, on en a pas quoi. Bah ouais. Faut revenir quoi. Yep. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors, récupérer. Hop. Fais quoi? Il y en a un qui prend une citerne, l'autre qui prend l'attelage. Oh. Exact. Tu prends quoi toi? La citerne. Ça marche. Est-ce que la grue elle peut me servir à quelque chose? Je suis pas sûr.
rien de s'emmerder avec la grue, il me servira à rien. Bon, que j'ai la grue. Attends, tu sais quoi, prends la citerne. Je prends la citerne? Ouais, prends la citerne. Bon, tu vas galérer avec le reste. Bon, comme tu veux. Ah, parce que je viens de me rappeler de la route qu'il faut faire avec la remorque, c'est un enfer. Au moins, je peux plus tomber en panne. Tu es avec moi, toi. Tu suis branle. Bon, elle s'est retrouvée toute seule. Et pourquoi tu l'as accrochée? Bon, je la prends avec moi. On va se retourner dans tous les cas. On en a pas besoin, j'ai une citerne. Ouais, je sais. J'en ai marre qu'elle soit en plein du cul, je marre. J'ai pas le gène des gosses en plein du cul. Ah ouais, là, je gêne pas du tout, en plus, c'est bien. Ah, de fou. Ça va pas être une réserve supplémentaire. Je t'aide, je te la pousse. Ça y a pas moyen de le retourner là. Non, bah, elle est bien au milieu de la route là, ce serait dommage, je la range. Là pour le coup, elle va pas nous faire chier du tout. Ouais, bah. J'essaie de la récup au moins. C'est pas prévu. Elle se met comme ça. Oh, les déménageurs de l'extrême, je te le dis. Tu me demandes pas de déménager, tu te demandes d'emménager. Ouais, c'est différent. Je vois, je vois. Oh, ça, trop loin, trop proche, ouais. Ah, pitié, trop loin. Bah, attends. T'as l'attelage haut, tu peux l'atteler quand même. Ah, ouais. Pas une semi-remorque. Ah oui, il y a comme une remorque qui te suit. Ouais. Bon, je suis parti à trio là. J'ai vu. Mais je vais te rattraper. T'es en train de traîner une remorque. Bon, c'est pas le fait que je traîne une remorque que tu vas me rattraper. Moi j'aimerais bien c'est qu'ils mettent la nitro sur les canters. Ce serait un peu moins RP. Et ça roulerait plus vite. Ok, bien 500 km/h. En même temps, vu la gueule de la route, de la nitro, c'est un coup à péter le moteur avant d'arriver. Tu vas te taper des rochers à 110 là. Ça va bien te taper. Hein. Je m'en bats les couilles, je passe. Excusez-moi monsieur, mais là, il y a pas de remède, ça. Oh, je suis passé avec un truc beaucoup plus lourd avant, tu vas pas. Pute. Voilà, je te baise. Et il me baise aussi. Je te péter la gueule.
Bon, je suis pas sûr que la remorque elle passe. Ah si. Je suis pas sûr de le franchir moi cet arbre. Je vais faire le petit tour. Bon, fais donc le petit tour le temps que je me sors de ce chemin de merde. C'est un désastre ce chemin. La route des enfers. C'est vrai, j'ai oublié de décrire. Je le passe sans aucun problème. Tu galères. Oui, mais j'ai l'habitude de le prendre ce petit détour maintenant, donc je sais que je peux me raccrocher au réverbère derrière, enfin au poteau électrique. Oh, super. Je t'ai dit, je vais le prendre en vitesse courte. Non. Accroche-toi au poteau. Ouais, le problème c'est poteau que le... ouais, mais le problème c'est que le poteau il est. Ouais, attends, je vais accrocher l'arrière au poteau. Ah, oh, casse-toi la carte. Je transporte pas une citerne avec moi, j'en transporte deux. Ouais, mais il y en a quand même une qui est motorisée. Oh, c'est clair. Même si elle a un pilote de l'enfer. Ça pue, mais quel point je te trace. Bah ouais, là dans la côte. Là, je dois enfin poser les routes avec la grosse remorque. Pourquoi? Bah, parce que les coups d'avion, tu peux les prendre à part. Ah ouais, on va pas pouvoir tout charger d'un coup? Non. Ah merde. Ça fait trop coups d'avion. Attends, je vais sortir les coups d'avion du lac, tu vas voir. Ouais, un avion ça fait pas en taille. Putain, je me disais merde, il a disparu, mais non. Juste en pomper. Ouais. Tout à fait mon petit. Faut venir ou pas? Je sais pas. Ah oui. Bon bah. Puis attends, je détache ma robe. Puis il a voulu faire plus court. Ouais, j'ai voulu couper un peu, enfin j'ai pas voulu couper, je voulais prendre le chemin à gauche, mais j'ai un peu glissé. J'ai glissé les chats. C'est exactement ça. Chef, de quoi chef? Ah, il nage bien le chef, hein.
t'essaies d'avancer, ça sert à rien. Il y a un poteau électrique juste devant Bah je toi. sais, je me détruyais dessus, mais... Mec. Je vais sortir, mais si t'as un poteau électrique. Sortir mon écho technique. Le problème c'est qu'avec la Citam tu pèses tellement lourd. T'es plus lourd qu'avec un avion sur le bout. Un robot, ok. Oh putain, elle a même pas voulu te laisser passer. Ouais, j'ai vu ça, je voulais doubler à droite. Elle a dit non. Ouais. Où je glisse plus avec la remorque. Ma god. Pas sur la route, pas sur la route. Oh putain. Pareil, mais classique terme. Ça drift. Bah, je vois ça, tu glisses bien. Ah ouais. Ça chasse du cul. Putain, ça veut dire que. Et là aussi, me dire quoi? Ouais, avec tes pneus bouts, ça passe. Non. Avec tes pneus bouts, tu meurs. Qui ça? Dragon. Ah oui, l'autre fois. Que j'avais ramené. Ouais, ils étaient sympas. Lui, c'est un raf. Le chat n'existe pas. Je sais pas comment il a réussi à faire à 100% Oula cette balle, mais... Ah, attends, je suis dans la pantalonie. Je te vois faire des trucs là. On revoit. Ah ouais. Hop, je te récupère. Ah mais attends, je prends le VK, les autres. Les anciens rondins de deux. Oh! J'ai vu ton camion. De quoi? J'ai vu ton camion, il a fait se péter les gueules. Ouais, c'était limite, mais ça passe. Cette remorque, elle a cassé sa tête. Putain, mais remets-toi sur les roues, merde! Comme qui dirait moi de mon passé, salope. Vraiment, avant j'avais un problème avec ce mot, j'arrive pas de le dire. C'était une dinguerie. Ah. Non mais vraiment, il faut. Genre sur le jeu, quand il y avait quelque chose qui allait pas, je dis salope, mais comme ça, je dis qu'il y avait rien d'autre. Il y avait même pas de phrase. Oh putain, mais non. Je suis échoué. Mais non. Je suis échoué sur mais le non. Je viens de retourner ma remorque, lui il vient de se planquer. Bah ouais! Le talon, hein! Putain, tu prendras la remorque. Moi je vois que ça. Hein. Putain, on va être encore là une heure du mat. Bah non. Ouais, de toute façon. Ça changera pas grand chose. Ah si, moi je peux pas me permettre. Hein. Ah bon? Ah non, demain c'est le bordel. On a la flamme olympique qui passe. En plus. Et du coup.
Je suis de quart là avec les gamins, le trajet est complètement chamboulé. Oh, tu m'étonnes. Ils nous font chier les sportifs. Ouais, mais il tenait absolument prendre la remorque de carburant, l'aéroport elle est bientôt vide. On l'a pas mal pompé déjà ce pote. C'est lui qui pompe tout là, il se pète partout, il prend tout. Ouais, puis je les remplis pas souvent. Je sais pas, il voulait se trimballer avec la remorque, moi je le laisse, tu sais. Je suis pas contre à Non, rien. la raison était très simple. Il y avait une remorque en plein milieu du chemin, il était prêt avec moi. Non, tu dis ça parce que t'es en colère. Non, je dis ça parce que vraiment, putain, on voit qu'en plein milieu, quand il voulait sortir du garage. Je me vois qu'il avait laissé là la remorque. Je sais pas qui l'a laissé. C'est pas moi qui l'ai ramené. C'est le pire, c'est vraiment pas toi qui l'avais ramené. Non, je me fais pas toutes les conneries. À mon avis, c'est notre dragon, en le connaissant, Non, il non, ramène elle était tout. déjà là. Ça fait plusieurs sessions qu'elle est là, la remorque, mais je sais pas qui l'a ramenée. Bah, tu t'en sors avec ton rocher là, mon ami. J'adore la grande émission, l'étoile dans le ciel. Tout ça pour un avion. Je pourrais dire météo, je vois pas dit non. Ah, c'est pas la même chose. Au moins ça a un peu plus de logique. L'étoile dans le ciel. Ça va être un météore. Ah non, une étoile dans le ciel, c'est pas un météore. Une étoile, c'est le soleil. Non, mais en fait, genre quand t'as un météore qui va se crash, ça fait comme une étoile. Ah, Pendant quelques oui, tu secondes. parles des étoiles filantes, toi. Ouais. Tu vois, de base, je mets mes bras sur le bureau, voilà, c'est mes pieds, ils sont sur le bureau. Je suis à l'envers. Allez, on y est presque. Je l'aime bien la remorque. Oui, bien. Ah, ça y est, ça bouchonne. Le gars, il avance plus là. Mais je Calice. t'emmerde, Oh c'est lui qui me bloque partout, c'est lui qui se... là là. Bon, fou, il n'arrive pas à passer à la deuxième vitesse. Mais si. Peux qu'à la première depuis tout à l'heure. Ah, bah oui, là, la vitesse où tu vas, oui, je la passe pas là, la deuxième. Mais elle va passer, hein, je suis en boîte auto. Regarde, je suis en deux là. Alors, ça la raconte moi là. Hein. Allez, trois. Oh là là, sur du béton. Mais qui il pète les plombs? Quatre. Qu'est-ce que? D'accord, quand je lâche la manette, les pneus tournent dans ce sens. Allez. Là, c'est pas grave. De remords qui s'accroche comme ça. C'est parti. Et lui, il est en train de tourner en rond. Moi je m'éclate. USB 1000, right? En même temps je fais des screenshots. Hop. Allez, on y va. Parti. Ah là, ça suit pas, hein. Mais si.
Oh putain, Je te vois y a mieux de neige, loin. j'apprends. Bizarre. Il me rentre pas dans le cul, là. J'essaie de t'aider, je te pousse. Voilà, on essaie d'être sympa, on se fait engueuler, quoi. Je pense que je t'aiderais carrément plus si j'étais sur ta remorque. Je te foutrais la paix comme ça. Je m'enliserais plus. Je prends juste le plein quand j'en aurai besoin. C'est ça. Bon, je passe là dans ce merdier parce que je me rappelle plus du chemin que j'avais pris. Ça fait trop longtemps. Ça date. Est-ce que je peux abattre l'arbre? Ah non, il est solide. Voilà pourquoi il fallait pas que tu me colles le cul. Pour reculer. J'en fais exprès. Je recule, c'est pas parce que c'est toi. Ah, je veux bloquer qu'un autre arbre. Ah. Ah ouais, mais tu fais pas d'effort aussi. Toto, je passe par où? Y'a pas de chemin là. Ah bah, je sais pas. Le pire, c'est que la mission, tu dois passer par là obligatoirement. Par là où on est là? Oui, c'est la seule route safe. Le reste, c'est la merde. Allez. Putain, il se fout de ma gueule en plus l'arbre. L'arbre, il me troll. Attends, je vais faire un truc. Je vais faire une espèce de boucle pour bien se remettre. Je te suis ou je te laisse Laisse-moi faire un demi-tour. Vas-y. Ok, c'est bon, j'ai trouvé la route. J'ai trouvé la route. Ça marche. Je pense que je vais mettre du temps à faire un demi-tour. Hein. Putain, je galère. Arrête d'être en vitesse une, monte. Va plus vite. Attends, je vais battre tous les arbres. Ouais, moi aussi. Pas plaisir. Des Forest Runner. Le nouveau jeu. Ouais, j'ai un arbre, il a bugué. Le truc qui rend pixel. Bon bah voilà, faire le con. Qu'est-ce que t'as fait? Bah faire des marches arrière pour t'éviter, du coup je me suis enlisé. Et tous les arbres autour de moi, je les ai taillés mais... Ah bah, tu vois que c'est un arbre. J'aurais mieux fait de tailler autre chose, j'aurais eu plus de succès. Allez vas-y, on y va. Marche avant. Ah ça y est, j'arrive à sortir. Ah merde. J'avais vu un chemin ici, mais là je le vois plus le chemin. Ah si, d'accord, ouais. Par là. Ouais, par là, par là. Pas très bon ça. Délinquant. Chemin de merde. Ah, elles sont mal entretenues ces forêts, elles sont pleines d'arbres, c'est inadmissible. C'est le but d'une forêt. Oh putain, on recule un peu. Ah ouais? Ah, pour une arbre d'arbre. Ouais, ton daron. Ton daron là, arbre, dégage. Oh, t'as jamais vu quelqu'un insulter un arbre. Allez Francis. Vas-y mais je vais baiser l'arbre. On va couper du bois. Bah, ose me dire que ça passe pas. Putain mais salope. Le
Ok, j'ai une autre idée, attends. Putain, il devait passer là. Ça y est. Par contre, le voisin, désolé, hein. C'est pas de voisin, mais bon. Il y en a, il roule, hein. Putain, le puits il est solide, mais chier. Il n'y a même pas de trou dans son puits. Attends, il y a quoi qui me gêne? Une table. Il y a une table qui me gêne. Oh, je suis abattu sous portail. Oh, le pauvre, il a plus de maison. C'est pas grave. On vivra une tonne qui échoua. Putain, ta remorque a fait des bons, mon gars. Ah, c'est normal. C'est à cause de la protection que j'ai mis. Ça l'a soulevé. Donc ça l'a fait sauter. La protection? Ouais, j'ai rajouté des anti. Attends, moi je bouge pas déjà. Non, déjà tout droit, c'est mort. Bah si, en fait, tout droit, si je suis obligé. Oh, je range les. Allez. Je sais pas, on va le chercher l'avion, mais... Dans un lac. Voilà, on va le chercher. Ça commence. Putain. Et c'est le chemin le plus simple, ça. Non, il n'y a aucun chemin qui est simple. On va aller chercher un avion. Il va essayer de choper l'arbre. Je suis même pas sûr que la remarque elle passe. Ça a l'air. Non mais voilà, maintenant. Après. Parce que là il y a un arbre en haut. Et l'arbre qui est en haut, il se peut qu'il gêne. Pourquoi j'arrive pas à avancer? C'est bon. Et ben moi je t'ai dit un truc, je crois qu'on va pas reprendre ce chemin. Putain. Après, il faudra mettre un mastodonte. Toi, tu t'en sors pour la montée.
ce chemin de Colmont. Tu te rappelles du fossé? Trio, tu te rappelles du fossé? Ah putain, attends deux secondes. Ah bordel! Putain, mais donne-moi le point de jour, bordel de merde. Voilà. J'avais mis le frein à main pour pas glisser, j'avais oublié de l'enlever, je pouvais toujours essayer. Putain, je suis coincé. Bordel de merde. Il l'a fait, il a réussi. Qui ça? Ouais. À me coincer? Non, à te... Ah, t'es encore là-bas, merde, je pensais que t'es sorti. Je suis kévrosané, hein. En plus, t'as la cinéante sur le dos, donc ça marche pas les choses. Ouais, non, c'est clair. Bon, allez, à la pêche au gros poisson. Alors, un bout là-bas, ok. On va trouver le poisson. Comment est-ce qu'il peut être? Ils auraient bien pu foutre ce morceau d'avion. Je me rappelle plus des emplacements. Ça m'énerve.
Je suis à trouver en plus. Toujours rien. Situation de truc. Ah. On va y trouver un. Ça prend pas 5 places, ça prend 2. Non, 3 places peut-être. Un morceau. Ouais, bah je suis câblé à mort. Hein. T'es toujours à un endroit. Ouais. Allez, tu veux que je te décape? Je peux pas monter avec la citerne. Y'a rien à faire. Bon, attends. Prends un véhicule, je vais te le faire monter. De quoi? Va dans un autre véhicule, je vais te le faire monter. Bon, tu peux essayer, mais. Pour moi, la citerne ne monte pas là. Oh, une pipe. Oh, c'est qu'il y a un camion. Vas-y, j'ai pris la remarque. C'est normal que tu arrives pas. Ton camion il était dans l'arbre. Non mais je sais, mais c'est pas ça le problème. Oh j'ai trouvé. J'ai les roues arrière en fait qui coincent. Je voulais m'appuyer sur les cailloux après pour passer, mais y a rien à faire. Oh, voilà. Les roues arrière des coins pas. T'as réussi à le sortir? C'est bon. Ouais. Putain. Oh, ta merde, ça a lâché. Reviens. Ah, je parlais de ma grue. Ah. Il a lâché le poisson. Je t'ai coupé le moteur sur ton truc là parce que tu vas pas aller bien loin. Ouais, merci.
passé, toi? T'es passé par le lac, là? Ouais, je passe par le lac et j'ai pris le petit chemin à côté. Par la falaise. Entre les cailloux, là? Non, non, pas entre les cailloux. Vraiment à côté, là. C'est tout. Ah, la petite falaise avec le petit chemin direct à droite, là. Ouais, direct à droite. À ta droite. Et ensuite, je trouve un chemin pour aller jusqu'au lit. Alors c'est le cas. Putain. De quoi? Et bah j'ai pêché le gros poisson. J'ai le gros pichon. Putain ouais. Oh, il est énorme. J'avais oublié qu'il était aussi imposant. Il est où? Il est là, tout là. Putain, je vois. Bah dis donc, quelle aventure. Le dernier morceau, il est... Le dernier. Oh non, là-haut. C'est pas un bout de la vue, on se campe. Est-ce qu'on fait les bâtards? En train de tout empiler sur la remorque là, c'est ça? Là, je ramène tous les morceaux. Là, j'empile plus gros sur la remorque. Ah, là, j'ai un dernier morceau à récupérer, c'est plus grand. Je crois que c'est partie du fuselage. Est-ce que le morceau d'élevé? Sauter avec moteur, ça c'est là. Allez, il me reste juste un dernier. Oh non. Oh non. Quoi? Oh putain. Je viens de casser mon camion. Ah. J'ai plus de suspension, j'ai plus de réservoir. T'es où? Ah ouais, t'es là-bas, putain, merde.
il est là-haut. Je suis bon pour aller là-haut. Il est entre les cailloux là-haut. Ouais. Non, j'aurais pas assez de carburant pour la récupérer. Ouais, non, il consomme énormément et en plus il en perd. Donc, ouais. Il est fichu. On va faire autrement. Ok. Putain. Putain. Tu veux de l'essence? Si je vais bouger la remorque, je vais la mettre dans le village. C'est un plat de le tien, c'est ça? Yes. Bah, de toute façon, il n'y a que le mien que tu peux faire du plein. Je peux faire le mien aussi. Mais... Qu'est-ce qu'il a fait l'aile de l'avion? Ah oui, t'as l'aile et le machin. Ouais, mon Justin, je vais chercher juste après. Ça marche, bonne soirée à toi Sulfate, puis n'hésite pas si tu veux venir jouer avec nous dans C4. Il y a le Discord dans la description de la chaîne. Bon, du coup, je te suis, hein. Et tout déposer dans le village et on continuera ça le jeudi prochain. Ouais, ça j'aurais marche. Pas le temps de tout ramener. Ouais, bah non. Déjà, mieux vaut préparer les morceaux à l'avance et ensuite tout ramener. Oh bah ouais, c'est clair. Il m'a dit que c'est sur la route. Ouais. C'est quoi, tu vas chercher le dernier morceau là? Ouais, là tu me cherches le dernier. Ensuite j'arrête.
T'as besoin d'aide pour le dernier? Ouais, bien quand même. Ouais, bah. Je suis en train de Oh, terminer au toi. cas où. Mais ouais, Ah, vaut parce mieux. que mon réservoir il pète. Vraiment, fais très attention. Si tu tombes dans la flotte, t'es foutu. Je peux peut-être le réparer ton réservoir si tu veux. Oh là, il est pas cassé celui-là. C'était l'autre qui est Ah, cassé. c'était l'autre. Parce qu'il est déjà. D'accord. On aurait sûrement pu couper par là. Ah oui, non, elle est là, elle est là. Ok. Je l'avais pas vu. Ouais. Il a fait un vol plein. Comment ça marche au dev? Oh, il est long. Oh, oui, il est long. Excellent, hein, t'es monté, ouais, c'est ça. J'attends en bas, du coup, parce que sinon je vais te bloquer. Lui il est solide. Ah, c'est un morceau, ça. Il passe pas à travers la matière.
Let's go. Ça doit être ça le bout de fuselage, à mon avis, l'autre c'était là. Là. Là j'ai l'aile. C'est lui l'aile. C'est lui l'aile? Ouais. Oh, c'est bizarre. Attends. Alors, fuselage, c'est là où il y a le cockpit et tout. Morceau d'aile, c'est le petit morceau. Là on a le morceau d'aile avec moteur. Ah ouais ouais, d'accord, ouais, j'avais pas fait gaffe. Je m'arrête là. Ouais, bah, moi je pense que je vais laisser mon camion là pour. Pas la prochaine fois. La semaine prochaine, ouais. Ouais, allez. J'ai tout récupéré. Ça marche. À bientôt. Bah, ça marche, bonne nuit, à jeudi prochain, du coup. Bonne nuit. Puis merci. Y'a pas de problème. Bon bah voilà voilà, vous avez vu la galère que c'était pour ce putain d'avion. Maintenant il n'y a plus calibré. Du coup bah moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. N'oubliez pas de follow la chaîne si c'est pas déjà fait. Et si vous voulez voir des lives en replay, il y a bientôt 1000 lives en replay sur la chaîne YouTube qui a le même nom. Donc vous pouvez trouver votre bonheur. Il y a énormément de jeux différents. Des même complétés à 100%. Il y a l'embarras du choix. Voilà, voilà. Puis si vous avez envie d'un petit peu autre chose que du jeu vidéo, il y a ma chaîne principale où je fais des vidéos IRL autour de mes aventures en van, du permis poids lourd, du BMX, enfin, il y a vraiment pas mal de trucs. Donc, bah, je vous laisse aller voir ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Allez, ciao!